Well, that was f***ing dumb. Vous pensez vous pour quel sens à partir à cette époque? Quel sens? Vous poussez cassé. Vous poussez cassé. Vous poussez cassé. Je plaisante pas. Attends, vous. Oh yes. Oh my God. Strike, t'es périgné, toi, t'es périgné. Comment travaille ça? N'existe d'été. Imagine, j'arrive vraiment à faire ça. Et j'ai déjà fait ça une fois. Tu vas toucher un seul. Est-ce que tu peux ramener tes underwear, s'il te plaît? Qui ça n'a qui dit à toi, c'est une culotte et c'est pas une slip? Car c'est un slip, ça, Christophe. Qui veut te mettre à boire mon underwear? Je ne reste là, je ne pas mettre mes millions à la base. Marie-moi, s'il te plaît. Raja, il y a une chose à faire pour explique-nous et montrer-nous. Raja, qu'est-ce que ça qui est dans l'armée? C'est une grande palmier crocodile, nous dit, parce qu'il représente comme un crocodile. Mais sous la tête, là, c'est fini, là. Crocodile, mange. Il me laisse la palmier, là, je vais montrer comment il est. Mais voilà, c'est là même, là, c'est ici. Ouais. Oui. Hey, incroyable ça guide là. C'est dégueulement comme ça, mais tu trouves également ce pilon. Et bon, mais bon, c'est avec la pétière que ça devient également. Au fin, vous. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce spectacle dînatoire aujourd'hui. Je vais vous présenter I Will Survive de Gloria Gaynor. Préparez-vous. I Will Survive! I Will Survive! C'était mon best, j'ai donné mon best, autant, mais ça va reprendre, best. ça va reprendre. Allez, go now, go. Yeah. Oh, God, go. Allez, Karen. The summer now. No. You're not welcome anymore. Raté. Raté, pas bon. Taï, comment j'aurais manqué ma niche assez pressée pour mettre dans trop. Et à cause ça même l'hydraté, et pas me concentrer, comme on disait, pour être vraiment. Get Chalem, il paraît concentré, mais il dit pas qu'on est qui les peut faire. Eh, t'es un gali là! Ouais! Il passe à travers! I'm so excited! Un malade d'or! Un malade d'or! Eh non, on ne crie pas! Challenge est mauvais! C'est mauvais. Have a good feeling about this one. Oh! Regarde là, je suis sortie de nul. Pas mal. Very good. Tu te rappelles, Charles M. Thierry, moi, t'allais là pour mon premier essai que Lina Landéo. Ben, il a envie d'essayer maintenant. Ne quittez pas pour rien. Allez. Dans le mille. Tu me causais. Et on dirait qu'il sait exactement
que je suis en train de filmer, c'est Marie Bizarre. Oh oui. Il y a beaucoup de soleil. Si tu es là, là, peux dire aïe, il pleut. On dirait pas la boue. On dirait caca. Attends, attends, Estelle. Retiens. Les lunettes de trait. Non. Attends, je vais me voir dans les lunettes de Christophe là. Oh my god. On dirait tes lunettes monosous aussi. C'est ce que j'avais avant. Ouais, c'est vrai. Zen. À savoir que Christophe est au ice en ce moment pour sa surprise relaxante. Alors, il, juste pour te dire, il pense qu'il va faire un massage, mais en fait, il va faire une épilation de torse. Oh my god, ok. Et je tiens à dire, avant que Cédric continue, que c'est ma vengeance, ma super vengeance pour le dauphin. Vous vous rappelez, ça fait le dauphin sans moi. Il était parti nager et tout, et moi, je suis restée toute seule dans la voiture là. Et ben voilà, surprise, surprise. Qu'on va faire. Alors, dites-moi. Underarm et le chest. Ah, on fait waxing. Oui. Je vais tuer Estelle. Allez, ok. Qui fait vous faire ça les bichons là? Pour ceux qui me connaissent, il y a des affaires qui m'ont grimpé. Canon? Non, je pas grimpé un canon, mais m'ont grimpé un oiseau en général. Tu es bien là? Et plastique. Sac plastique. Tu sais ça? Je me rappelle pas. What? Comment tu as oublié ça? Tu répètes un sac plastique, ouais. Et tout bain d'oiseaux. Ouais. Et surtout pigeon. Et tu vois les Lady Fingers là? Tu vois pas comme si là-bas là? Ah ouais, ouais. Those are massive là, Lose. Ben, tu es ok, Estelle? Ça va. Ah, t'es Mauricien, ça? Pas connu. T'es pas content de l'alo et de bré de songe. T'es pas content de l'alo? Moi non plus. C'est ma phobie. C'est une phobie? J'avais pas une phobie, j'exagère. J'ai exagéré ça. Mais je peux pas manger ça. C'est pas possible, je peux pas manger ça. Tu peux remanger, tu vas aller là, l'eau. Ah. Oui, c'est l'improvise. Je sais pas. N'aie pas peur. C'est une mauvaise idée. J'ai peur. Quelle idée de vouloir donner à manger comme ça. Pour tous ceux qui, depuis le début d'un tiletto, tu faisais « Estelle, une petite fille hein? », comme ça, genre « Wow, yeah !» C'est fini maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu es prêt? Allez, quand tu es allé. Est-ce que ça fait sexy de faire ça? Laisse me tourner. Père! Père! Vu qu'il y a un gros appli des hauts, nous pouvons nous t'y confier en dents dans la voiture de Maniche qui est en ode à comparer à Stephen. C'est pas vrai, ma voiture était propre un peu pour une fois. Pourquoi tu peux dire toi là? Stephen, c'est qui? Qui y a d'autre qui est l'auto là? Mais ça va, j'ajoute que j'ai découvert pâte à chinois. Aïe, merci. Maniche, fais de nous. T'es chou, comme si pour nous passer le message, genre, pas fait des autres. Oui? Merci. Nati, je suis dans ce loto. Yes! J'ai un peu peur. Oh! Salut toi! Mais nous perdons là, hein? Nous perdons dans le grand groupe. Attends, mais ça nous a pas de mettre location et tout là, hein? Mais ça aussi, vous pouvez pas faire à suivre. Pas, nous pas faire écoute location là. Pécosé. Femme la pécosé derrière. Et tu peux mettre en langue ce que tu nous comprends. Laissez-le, d'adapter un ride à Saint-Michel Road.
Quel pression l'on manège là-bas. Pression l'on manège. Réguilé. Qu'arrivé, round 2? Mais, nous va prendre des petits déjeuners en matin, nous. Demain. Allez, qui te prend? Ourit, carré ourit. Moi, là, demain. Là, tu prends ma salade. Attends, Chalem, il met, comment on fait ça, un petit pétard? Un lafaya. Regarde ça, lafaya, il pourrait mettre là-dedans. Non, lafaya, là, pour moi. Faut pas t'en prôner, ça, déjà. Et de lafaya. Oui. Ça, ouais. Allez, vous t'écoutez dessus. Allez, ciao, vous êtes. Bye. Tu as accepté de faire une session d'épilation pour régler ça là? Oui. Oui, ok, d'accord. Donc, nous allons again pour qu'il profite de ça après. Tu as aimé? C'était Marie Top. J'imagine. Hein? Ouais, c'est Marie Top. Quand tu fais figurant dans les films, qui te causait là? Là c'est exactement ce que je fais. Je fais. Après, je fais. Comme ça, l'autre personne va rire. L'autre personne va rire, ouais. ça va paraître naturel. Eh ouais. Allez, il m'a dit que Chalem, il m'a dit que tu finis mon scrap là. Là. Que si j'ai été fait gaspillage. Oh non, tout le monde, ça là. Mais oui, tu es bien siqué. Mais c'est normal. Ah, bien. On va pas vous montrer à quoi ça ressemble. Non, c'était pas esthétique. Montre Chalem. Manige, c'est dégueulasse. Montre Chalem un coup comme si elle est Chalem. Montre comment faire. Ah. Bon, ah, ok. Mais là, te montre comment tu l'écrases. Oui, l'écrases. Oh, bagage ça pour sortir. Comment manger le crabe selon Chalem? Mal expert. Moi je comprends rien. Et apparemment juste derrière, il y a un petit pépinière et on va aller faire un petit détour là-bas. Est-ce qu'il nous précise au pépinière là? Je ne sais pas, mais on va essayer d'ouvrir grand les yeux qu'il nous parade ses mains cette fois-ci. Parce qu'il est allé là, tu en as deux chemins. Estelle, une trompe. On est passé pas là. On n'était pas passé. Si. Tout droit. Ouais, tout droit. Oui. Là, tu tournes à droite, bien sûr. Et c'est pas du tout ça. J'adore Christophe qui dit fais-moi confiance. Connais-moi. Je me suis dit, on n'est pas passé devant le hangar. Pour faire en mode. Bah, la fête delivery. Christophe a dit qu'il était sûr que c'était là. Donc aujourd'hui, c'est Estelle qui me fait le programme. Ça se voit. Voilà, parce qu'il n'est pas 6h du matin et j'ai faim. Elle n'a pas mangé. Elle sera cranky là, mais. Elle est pour faire nous randonner le frais. Mais ça va être bon! Parce qu'on va voir des choses qu'on n'a pas vues! Allez, nous parler! Donc, Estelle, non, tu n'es pas parée parce que le truc que je t'ai donné qui était hyper important, c'était ton gilet de sauvetage. Et tu l'as vu? Oh, j'ai oublié la boue! Ah, je vous ôte, okay. Estelle m'agace! J'arrive là! Je me réveille là! Donc, Estelle peut chercher son gilet de sauvetage. Elle est lourde. Mais on l'aime bien. J'espère. Voilà! Ah. Pour ma défense, je me réveille 4h30 du matin et j'ai battu les. On s'est tous réveillés à 4h du matin, Estelle. C'est pas pour autant qu'on n'a pas le gilet, nous. Personne ne m'a signalé que j'avais pas de gilet. Si, il y a deux personnes à côté ici, là. Bonjour, Paolo. Il a levé une petite patte comme si j'en salue. Oh là, salut. Oh là. Paolo est très beau la caméra. Comme il est beau. Regarde les couleurs. Je pense que Paolo sait qu'il est beau parce qu'il nous donne son meilleur profil. Paolo moche comme ça déjà, comme si. Salut, ça va? Alors Paolo, c'est la mascotte du Rissou Créole, vous êtes. Et l'Ibésis là, l'Ibépavani, c'est tout ce qu'il fait toute la journée. Voilà. Je te suis, Estelle. Tu me suis? Je te suis. Allez, non, oh, pas oui. Du tout. Christophe déteste, c'est une biaguette intellectuelle avant, il déteste les poules, les coqs et... Tous les canaris. Tout ce qui vole. Ouais, tout ce qui vole. Oui, ils volent pas. Dans ma tête, oui. Il va faire. Bye, Paolo. Je suis pas trop d'accord. Si. Ah, mon Chalem et ma riche ont eu avant. Laissez le menu, ça. Pour une fois, nous gagnons à mon yeux. Les internautes vont être marrés quand on faisait pour une fois, Chalem et moi. Qu'est-ce qu'ils ont fait avant Christophe et Estelle? Bébé, tu vas boire? Bien sûr.
Alors ceux qui sont lourds à côté. Hein. Bon, 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 bon. 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 Il a fait ça avec beaucoup de vigueur, lui. Nous vous mangez. Mais taper la fosse, hein, dans le stop. Mais taper la fosse. Ben, dans la 6 du jour, vous mangez. Much, much, much later. Ben, laisse-moi continuer. Christophe est fatigué. Il te dit, non mais arrête la même, c'est ok, je vais continuer moi. Christophe est roule au stade de ce côté, papa. Inquiétez-moi mon log. Le regard que ça se dit là. C'est bon là, Christophe? Ouais, il est bon là, continuez, continuez. Yes. Very good, very good. Yes. Ouais, allez là, mon reste écrasé. Voilà. Et fatigant, mais ça va me marifier, c'est comme on fait. Voilà. Bah, tu veux pas filmer là-bas. Allez, on montre les autres qui nous fait rappeler. Et Nadine, restez là-bas. Vélo, vélo, vélo. Allez, j'enlève. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Allez, j'enlève, allez, j'enlève. Hé, rappelez dans la cuisine, on va discuter avec chef. Chef, ça vous fait. Ok, allez, Michel. On va aller, on va aller. Allez, vélo. Avec amour. Christophe est un tyran, il ne sache jamais. Mettre l'amour là-dedans. Tu peux mettre l'amour là-dedans là. S'enlever. Comment ça va passer là? Très bien. Très bien quoi? Très bien qui? Très bien chef. Ok. Chalem? Yes. Le Philippe parler ici là. Nina. Ah mais direct là-bas, direct là-bas. Hop. Quand tu les fais, ça tu connais quand tu es professionnel, que tu as de souplesse. Bémon Soisé qui nous pouvine là. Et vu que Christophe est dans l'avion il n'y a pas si longtemps, il a fait quand même de belles choses. Mais il a décidé qu'il me toussait pour faire cette activité là. Et que c'est un me time que je m'accorde à moi-même. Mais il y a une belle écurie qui t'attend. Comme si tu caves, guet tous ces vals qu'il a. Tu caves, nettoie l'écurie si tu as envie. Tu caves, tout ce qui te l'est. Pendant que moi, je serai sur la plage, à cheval. Il va bouder. Il va bouder. Il va bouder, mais c'est pas grave. On le laisse bouder, c'est OK. Ils font des balades en général. Guédé, il va bouder. Qu'est-ce que tu fais? Tu as le droit d'entrer, même si tu vas pas faire l'activité. Bye bye. Christophe, bye bye. J'ai mon camarade qui est à côté de moi. Et oui, il peut supporter. Moi, dans mon activité, me time. Je ne peux pas être bon dans le temps. Regardez la tête de Christophe, vous êtes. Christophe, ça va? Tu as vu mon petit moment à moi, comme c'est cool? Il boude. Mais tu peux revenir au centre. Et qu'est-ce que tu fais, toi aussi? À pied. À pied. Estelle, c'est une bande papier. On ne sait pas quoi exactement, mais attention, l'infini signé, donc c'est trop tard. C'est fini maintenant. On est le 26. Ah oui, mais je suis... La paix des mers. La paix des mers. Aïe, mon Dieu Seigneur. Oh non, Christophe. Mais là, tu peux lâcher tes mains et regarder au bas. Ah, okay. Allez, lâche tes mains, lâche tes mains. Asseyez-vous, asseyez-vous. Ok. Asseyez-vous. Ah, ok, c'est bon, on y va? Allez. Oh my god! Du
dis-moi où j'attrape, dis-moi où j'attrape, j'ai besoin d'attraper un truc. Ici, main gauche, main droite, comme ça, allez-y. Non, main droite, main gauche. Ici. Voilà. Ouais. Wouh! Oh my god! Les deux mains, les deux mains! Vous espérez pas pour ta salon caméra? Nous pour blip sa bout là? Mais mon pensée, une bout de bol à une cassée. Ah mon Dieu, oui, merci. J'avoue qu'en regardant Christophe, tout était bien serré et un peu trop soulagé. Comme ça. Soulagé. Franchement, on n'a pas fait exprès là, hein? Il a vraiment raté. Finalement, Ansel Golin rentrait et Litchi en bas. Mais c'était moi. C'est et moi. C'était Estelle. Parce que moi, moi comme ça, je préfère me laisser croire qu'il est bon.